Ça fait quelques jours, et le premier ministre pays a lui-même été fait connaître, lui-même les conversations, lui parler avec tout bandit et dans le pays. Tout bandit qui a mis au téléphone, il aurait été capable de parler, de converser. Je dis à le premier ministre là, dans une interview, lui fait connaître que le bandit a menacé. Que là que lui-même lui était dit, il a une conversation avec les bandits, c'est pas une conversation cordiale. Et lui-même lui fait comprendre tout que en pile monde dans la population, il a même été réactionné négativement. Les autant des premiers ministres pays que chaque monde a payé avec l'argent, l'argent que même il a contribué, l'argent taxe, il a payé yon moun. Et puis moun ça c'est chita la chita parler ensemble avec bandit qui a retiré la vie et citoyen paisible, moun qui sorti à chercher la vie et bandit ça aucun béo soit vol, soit tout, il a kidnappé, fait ça, vous voulez faire carré Jacques sous mesdames dans la rue. Et puis pour nous tendre un beau matin et premier ministre pays il dit comme ça que les une conversation ensemble avec nous. Ça lui même il était monté plume sous de tout le monde dans le pays. Pas de monde qui était content de une nouvelle comme ça. Peut-être, et c'est ça que le ministère lui-même est à attendre, que nous-mêmes, comme contribuables, nous contentons que lui-même ait une conversation avec Bandio. Mais ce n'est pas ça. Mais invitez-nous pour nous entendre une série de déclarations, une série de paroles. Journée aujourd'hui, le premier ministre pays lui-même, il fait un corps de voile. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils sont contre le gouvernement. Ils sont contre tout le monde. Ils sont contre même la survie de la société haïtienne. Parce que moi-même, je parle avec eux. Là, ils ont fait menace tout. Ils ont fait menace tout. OK? Avec ce n'est pas des conversations et cordiales. Ce n'est pas ça. Et quel que soit le monde où il est, il y a fort menace. Parce que pas oublié. C'est des gens qui sont effet de la drogue, de l'alcool, de toute qualité de substance. Bon, moi-même, je me saisis, l'homme t'a même ma fétida, monsieur Oboué. C'est des bagages qu'on ne peut pas comprendre. C'est contre tout entendement. Ça veut dire, il y a contre tout le monde. Ce n'est pas contre la population, non. Au contraire, il y a fond de la population. Hein? Bandi a marché sous, il y a un camionnette avant. Toute la rue, pas même on est. Donc le système de renseignement du gouvernement ne fonctionne pas non plus, Jean-Paul Ta, ou bien il fonctionnait, mais il n'est pas tout aussi efficace. Et nous prenons exemple, nous prenons exemple côté que nous gagnons des handicaps exposés devant des médias sociaux, et pendant ce temps, la police a cherché le bac à joindre. Eh bien, l'on est fait une vidéo, l'on parle de médias sociaux. Son individu qui levait le bon téléphone, ou bien le bon laptop, ou bien le bon iPad. Et puis carrément, chercher deux trois photos, le poster sous les billets, les têtes, les journalistes, et puis la débiter. Non, excusez-moi, Premier ministre, mais ce n'est pas dans tous les cas, ça a existé effectivement, mais il y a des journalistes connus qui ont posé des questions à ces bandits. Donc ça veut dire que. Justement, il y a accès à eux. Il y a accès à eux. Et c'est ça même qui guérit à Ruben. Moment, vérité. C'est ça même qui guérit à Ruben. Parce que ils recevaient, ils tellement. De proximité avec eux. Et le banditisme, les tournées, comme d'adou, ça a des forces de loi dans le pays. Mm-hmm. C'est la société qui a accepté comme ça. Parce que, pas oublier, les lois, c'est la morale codifiée. Elle dit, sous aucun chita là, et puis, sous pas prendre précaution, un bonjour. Quand est-ce que vous avez dit ça au président de l'IA? Quand est-ce que vous avez dit ça au premier ministre? Quand est-ce que vous avez dit ça dans la place photo, nous tous les deux chita là? Malgré tout effort, nous faisons pour nous quimber dignité, nous pour nous quimber essence moune nous dans la société. Et c'est ça qui fait me content. Le fait que je me dis, je parle avec eux, tout le monde sous le VDM. Moi, j'aimerais tant de réactions tout le monde. Et franchement, j'ai une grande satisfaction que la société haïtienne ait pu réagir de cette façon. Mais seul ça me dit, c'est que je suis dans une position côté que je ne suis pas capable ni de discriminer moune, ni de rejeter moune. Et parlant de discrimination, m'a profité pour excuse à moun qui atteint le coronavirus. Parce que l'autre jour, ils font l'abscisse. Je me dis que je m'a monté mieux en pire, je m'a mis en quarantaine,
même si on peut atteindre le coronavirus. Alors, excusez-moi qui atteignent déjà, parce que personne n'a pas épargné dans ça. Mais franchement, c'était pour te faire, monsieur, qu'on est. Que je parle avec vous chaque jour. Depuis, vous allez me répondre. D'ailleurs, je réponds à tous les numéros de téléphone. Alors, Premier ministre, nous posons une question tout à l'heure. C'est à propos d'accompagnement des victimes de ces mêmes monsieur à qui vous parlez. Et ou pas de répondre, moi. Accompagnement non, des victimes. Écoutez. La police toujours accompagne yo. Yon moun ki victime, la li doué pote plainte, ça c'est yon. Ça c'est plus pour faiblesse qui gagne dans la société. Hein? Parce que quelque soit son moun fait, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Des fois, la police n'est même pas au courant que quelqu'un a été victime de ces de malfrats-là. Est-ce que vous comprenez ça, M'dou? Et yon même tout, même dans le village de Dieu. Moi, apprendre l'autre jour là, m'te parler tout avec mon professeur en dedans. Li dit, des fois, un moun font bévue en dedans. Et puis, on est aux amis, si on cartouche dans le pied pour le punir. Mais et yo presque accepté, yo presque accepté dans la communauté ça. Ou pas qu'a dit mon yo accepté mon cher, ou pas qu'on est. Non, oui, yo presque accepté. Monsieur, on contraint. Est-ce que vous comprenez? Je tremble parce que là maintenant dans le pays, on est en train de violer les filles, on est en train de violer les femmes, on est en train de voler les marchandes. Et puis tout le monde chita là, le chita va accepter. Moi-même, moi, ouais, yo, non, on vidéo déjà, que m'te ouais sur réseau tout yo. Bon, on monsieur, bon, petit pistolet, non, mais, monsieur, amassé frise tout le monde qui n'a rue des César, et puis tout le monde n'a pas regardé. Et là, ça, c'est là qu'un docteur, un monde qui est un cubain, qui est un clinique ici, c'est là qu'à l'imteye. Et puis, dame, elle est énervée, elle dit, je ne comprends pas pourquoi le peuple haïtien est si lâche. Eh bien, c'est sociologue, anthropologue, qui peut porter pour nous des éléments de réponse. Et bon, il y a 50 ans, là, on a parlé de solidarité. Et bien, il était assez poussé dans la société, mais je dis, hein, c'est chaque coup vous clairez pour Géo. Eh bien, oui, c'est extrêmement difficile. Et Mabdou, l'autre jour, j'ai rencontré toute l'université d'État d'Haïti. Mais me demande au Premier ministre, même dit autant pris. Étudier, il y a des études de cas qu'on fait, il y a des cas et des cas d'école. Et c'est nous-mêmes qui c'est la crème de la crème de la société. Et pour dire ça pour me faire, j'étais pas encore Premier ministre. Mais si on ça, même en tant que ministre des Finances, je suis dépassé par les événements. C'est ça. Monsieur, parce que je ne comprends pas qu'une société puisse. On est en un lien de temps. C'est l'autre jour là, j'ai 20 ans, j'ai 28 ans et après 86. Et puis c'est gardé, moi, ma filée non dégénérescence, mon décrépitude depuis. Une situation difficile qu'on connaît, puisque où t'es fait en tant ministre des Finances. Donc, son département, côté qu'on a des gens qui ont des hôtels qui sont obligés de fermer, justement, à cause du fait que. Il y a un camion qui a détourné, il y a un touriste qui n'a pas allé. Même gouvernement qui était contre aider hôtel ça, parce que nous rencontrons quelques monde qui ont hôtel, ils ont expliqué source de revenus au côté hôtel. Mais là, je parle de mesures d'accompagnement, je parle de qui des mesures d'accompagnement que nous prenons pour ces moun ça, qui victimes des soutiens économiques, qui ça nous fait? Parce que ils ont victimes justement de l'insécurité liée à moun village de Dieu que vous parlez avec eux. Bon, tout comme, c'est pas même ça seulement, tout comme toute machine. Monsieur a volé tout à fait, il a mis du feu dans la marchandise. Il est victime. Tout comme tout business que vous crasez dans toute période là, il est victime. Tout comme médecin qui n'a pas travaillé dans la clinique, yo. Et avocat qui n'a pas travaillé, ingénieur qui n'a pas travaillé, la justice qui n'a pas fonctionné. Parce que la France est aussi victime de ce déferlement. Eh bien, si le gouvernement, l'État cherche quoi? Ou bien te vle, aider, supporter, assister tout le monde qui est victime dans le pays. Le budget national n'a pas passé pour nous faire ça. Il y a monde qui est victime psychologiquement. Parce que bon, nous sortons dans nos funérailles là. L'homme a des figures, tout le monde en dedans. Ou est tout le monde victime psychologiquement. Mais qui accompagnement l'État qui a fait pour ça? À part de nous-mêmes, la presse, il y a des activités psychosociales que nous faisons, nous divertissons, nous distrayons. Moi-même, quand j'ai besoin de comprendre ça, c'est que je suis là, comme Premier ministre. J'ai identifié tous les problèmes. Là, maintenant, il faut que je cherche une solution. Et pour me trouver une solution, c'est avec le support et l'assistance de tout le monde. Parce que moi aussi, comme Premier ministre, j'ai besoin de votre assistance. Le président de la République a besoin de l'assistance.
Vous, les journalistes, vous en avez besoin. Alors, c'est notre niveau, ça, non, non, vérité. Et c'est pourquoi l'autre jour, j'ai lancé un appel à tous les Haïtiens en général. Nous nous sommes entendus pour casser les reins au pays. Nous tous, personne n'est innocent dans ce qui se passe là dans le pays. M'bakwa tout le monde coupable, non, Premier ministre. Je pense que au niveau du gouvernement, vous avez encore beaucoup plus de coupables, puisque nous sommes d'accord que le résultat que nous avons aujourd'hui a découlé de mauvaise gestion, justement, et depuis quelques années. Et ne serait-ce que, si on prend l'exemple de déficit budgétaire, nous sommes parlé avec un économiste qui parlait de ça, c'est résultat de mauvaise gestion. Je ne sais pas quoi est-ce que aujourd'hui, que pas grand-rien qui fait pour changer les conditions par rapport au fait que le prix produit continue à augmenter, alors que... pas qu'une intervention directe qui fait de l'État, et maintenant on dit que pas qu'une intervention qu'on a fait, en ce sens, on ne peut pas croire que les victimes dans le cas de mauvaise gestion que l'État fait. On ne peut pas être coupable. Par exemple, dans le cas de mauvaise gestion qu'on a fait. En tout cas, tout le monde qui veut retirer tête, yo, pas de problème. Moi-même, ma culpabilité, yo, pour yo. Ok? Moi-même, pas de travail dans le secteur public, pas de jambes de corruption à personne. Signal. J'ai un rude travailleur qui a gagné ma vie avec dignité. Moment, alors, vérité. Tout le monde qui veut retirer le corps, pas de problème. Ma prends culpabilité, yo, pour yo, je dis. Mais tout ça me gâte, c'est que moi-même, je prends aussi la responsabilité de travailler pour mon pays. C'est un pays qui m'a tout donné. Je viens de travailler dans l'État en 2017 avec M. Jacques Guilafonte. Et là, je suis aujourd'hui Premier ministre. Tout le monde met des responsabilités, tête, pas de problème. Moi-même, je me responsabilise pour eux. Et je vais continuer à travailler pour changer le paradigme dans mon pays. Okay. Mon gouvernement, nous allons parler de pétro-corona, pas de pétro-corona. Mm-hmm. Ou bien garantir ça, Premier ministre? Ah non! Ou quoi Joseph Jout gagne suffisamment brain pour le gourmet contre un système? Même pas gourmet contre système. Ok. Même pas gourmet contre système. M'a géré l'administration publique haïtienne. Je suis le chef de l'administration publique haïtienne. M'a géré, j'en suis supposé gérer. Et c'est envers et contre tous. Envers et contre tous. M'a gourmet personne. L'ex-premier ministre. Je ne sais pas s'il a eu le support du président. J'ai travaillé avec M. Jacques Guilafontaine. Je ne sais pas non plus s'il a eu le support de son président. Moi-même, le président m'a donné carte blanche. Il n'a pas interféré dans quoi que ce soit. Et l'homme pour mesure, il n'a pas compté en elle. Il a dit qu'il a bouché l'autre jour, il a juste soutenu et il a couché bol. C'est ce qu'il m'a dit. Ok.